Et ça, il a installé au conseil transition en journée lundi à 5e étage, chez le ministère commerce et industrie, zone Jean-Mas, Port-au-Prince. Il y a une cérémonie qui déroulait en présence de diverses personnalités, tant que le président de la Cour cassation, ancien président Jocelyn Brivert, membre co-diplomatique avec gouvernement, chef gouvernement qui estime que c'est un gros pas dans la démarche pour arriver à résoudre la crise politique là, qui a séquestré le pays depuis quelques temps, dit les conscients, tâche qui confiait. Membre au conseil transition, pas facile. Mirlod Maniga, yon nan trois membres qui composaient au conseil transition, qui te prend la parole dans circonstance là, mande parti qui réticent yo pour yo rejoindre yo nan accord 21 décembre 2022. Moment arrivé pour nous mettre sous côté des accords nous pendant la baye priorité ak bien-être pays a, d'après professeur Mirlod Maniga, qui dit seule ambition yo, c'est rivé organisé bon Bonjour élection dans pays a Peterson Luxama pour plus détails. Sorti depuis place Constitution sous champ de Mars pour y venir entrer ministère commerce, policier au monté la gade. Agent toute unité dans la police là répond présent. C'est gros dispositif sécurité. Pas gain causé pour machine avec motocyclette franchi périmètre qui établi. Pour cérémonie ça, police nationale l'a mobilisé. Malgré toute critique qui fait contre démarche là, gouvernement de facto Ariel Henry a pas attendu le parwe, il décide d'installer trois personnalités contestées pour faire partie au conseil transition là. Dans 5e étage ministère commerce, ancien président Jocelyn Brivert, René Civil, représentant organisation société civile, représentant corps diplomatique, officiel avec membre gouvernement, bref, c'est un salle qui remplit avec moun. Même moun ou pas espéré te répondre présent dans cérémonie installation ça. Ancienne première dame, membre HCT, Mirlod Maniga, bien chelbe. Ou pas t'as dit c'est un chef exécutif. Dans discours, madame n'a retourné sous différentes tâches au conseil transition. Parmi yo, assurer crédibilité avec intégrité élection yo, pendant à participer dans choix membre conseil électoral provisoire. Vous devez comprendre que les élections sont une étape incontournable pour le renouvellement du personnel politique. C'est l'unique moyen de nous permettre de choisir celles et ceux appelés à répondre à vos desiderata. Nous vous invitons à vous organiser avec la conviction de gagner ensemble le pari et la réussite des élections. Mettez de côté vos ressentiments et vos doutes. Soyez vigilants mais déterminés. Pays a plongé dans une crise qui secoue tout secteur dans la vie nationale là. Gang Aksam a donné coup djon et simé la trouble presque tout côté dans pays. HCT a pral travail dans un contexte difficile. Une réalité madame Maniga pas ignoré. Pour y réaliser élection dans pays qui d'après madame Maniga primordial faut gagner un climat sécurité qui favorable. Nous devons nous convaincre que la réalisation des élections est conditionnée par différents facteurs, dont la sécurité assurée sur tout le territoire. À ce compte, nom du HCT, en appelant aux forces de l'ordre qu'elles resserrent les rangs, en s'impliquant encore plus dans la lutte contre le banditisme. Favoriser dialogue pour chercher un consensus dans mitan tout acteur, tout secteur dans la vie nationale là, c'est l'autre mission Captain HCT. Dans ce sens, madame Maniga invite tout leader organisation et parti politique qui participe à l'accord 21 décembre 2022 pour rejoindre yo. D'après lui-même, il est le temps pour nous finir avec chirépit, désaccord, division pour nous prioriser bien-être pays. Mesdames et messieurs les non-signataires du consensus du 21 décembre, au nom de mes collègues, je réitère et j'insiste, je tends le rameau d'olivier à tous les acteurs sociaux, politiques, syndicaux, professionnels, culturels. Joignez-vous à nous pour que vos propositions et vos rêves trouvent au sein du Haut Conseil de Transition l'espace que vous souhaitez. Madame Maniga reconnaît à qu'au 21 décembre non capable de faire à limite et puis pas représenter un instrument idéal pour sortir pays à la crise qui a boissé billy depuis quelques temps. Mais nous devons bailler processus là, bénéficier bon entente d'après Madame Maniga. À tout si là, au cap critique elle parce qu'elle choisit intégrer HCTA, Madame Maniga répond yo comme ça. Ça pas fait rien que yo critiquer, que yo condamner si moi sauver pays.
non pas une prétention sauver, mais on commence traitement. Sobopal, Ariel Henry montre le satisfait. Dans le discours, Premier ministre de facto a relé victoire avec installation au Conseil Transition qui crée sans aval parti politique qui gagne non de pays. C'est un gros pas pour mettre bout à dysfonctionnement institution démocratique dans le pays, d'après Premier ministre Ariel Henry. Aujourd'hui, c'est un jour où une lueur d'espoir, où une espérance apparaît. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Nous pouvons dire que c'est le commencement de la fin des dysfonctionnements de nos institutions démocratiques. Chef Primatia reconnaît qu'il n'est pas facile pour trois personnalités de prendre engagement ça. C'est peut-être ça, il profite d'un discours pour le salier courageux. Premier ministre promet que le gouvernement n'a pas plagué au Conseil de transition pour col. Il promet qu'il n'a pas accompagné le travail ménamé pour l'aider à arriver à atteindre l'objectif. Je vous donne la garantie que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous procurer les moyens nécessaires pour vous mettre en situation d'accomplir votre mission. C'est Ariel Henry qui n'a pas caché contentement. Premier ministre l'a dit, il réjouit pour gros étape ça, gouvernement l'arrivée franchie. Installation HCTA, c'est une fierté pour Premier ministre l'a. Démarche là, semblait c'est plus gros réalisation Premier ministre l'a depuis l'elle prend tête pays après un tweet communauté internationale là. Jou aller, jou tourner, mais toujours pas même. Jodia nous fait un bon bec. Jodia nous fait un gros pas. Nous connaissons route là longue. Mais faut nous commencer d'un côté. En pile monde, pas de quoi nous sommes capables de faire, ça n'a pas fait, je dis. Ariel Henry n'a pas raté l'occasion pour continuer à prêcher l'évangile dialogue là. Il invite toute partie politique qui tape hésité, qui n'a pas de signer à quoi pour rejoindre dans le bateau. Il y a place pour tout le monde. Je veux saisir l'opportunité de l'installation des membres du Haut Conseil de la Transition pour lancer à nouveau un appel à tous ceux qui hésitent encore à participer à ce grand combat national. Leur place est à nos côtés. Mirland Hippolyte Maniga, représentant de secteur politique, Calix Fleuridor, représentant secteur social, et Laurent Saint-Cyr pour secteur économique, ces trois personnalités au Conseil Transition Ariel Henry. En pile, mon appel de tête, qui ça y'a qu'à attendre stricti ça, dans un contexte côté pays, a fait face à qui on crise sans pareil, grand goût, la vie chère, dans des grandes populations, sans compter insécurité à Cap Valley Terrain. Même monde qui t'a plus optimiste, y'a un gros doute sur le résultat. Au Conseil Transition, Ariel Henry. Peterson Luxama, Caraïbe FM.